Je chante, je te loue, je ferme les yeux. Pendant un court instant, tu fais défiler ma vie. Je me souviens des moments où tu m'as béni par des épreuves de ma vie. Tu te glorifies. C'est si bon tous ces souvenirs qui me tiennent debout et qui me rassurent. Tu me fais voir dans ma tête des scènes où tu m'as relevé sans cesse. C'est si puissant que je ne peux retenir mes larmes. Il n'existe pas de mots pour exprimer ma reconnaissance. Je te chante, je te loue, je ferme les yeux. C'est si bon de demeurer ensemble dans la louange. Dans chaque chant, nous te disons merci. Amen. Et nous le baisons pour mon bien-aimé. Como la reina tenía corazón de recoger los poemas, el agachado de comprar el poema,
même si je fais quoi? Gloire à Dieu. Béni pour ce Seigneur. Amen. Et je disais dernièrement, alléluia, que tout ce qui est fait pour édifier et que c'est poussé par Dieu, moi je dis amen. Béni pour ce Seigneur. Que Dieu bénisse notre main de l'image. Alléluia. Amen. 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 Petit à petit, de même main, alléluia, on le perfectionne, alléluia. Béni que ça, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Comment le titre de cette lettre? D'accord, Seigneur, comme il est de nous. Alléluia. Béni que ça, Seigneur. La gloire du Seigneur est au milieu de nous. Béni que ça, Seigneur. Gloire à Dieu. On va prendre ce chant merveilleux, alléluia. On va se lever sur le coup. Vous devez le mal. Juste pour voir la tonalité. Amen. Yeah.
Que faça o nome mando bem, aleluia. O canto da última alabança, mano. O dernier louange, eu fico concentrar a palavra, a minha place, a palavra de Deus. Amém. Deus, se tu quiser nos falar, ele vai nos fazer bem, amém. On prend un échange sans la lumière, c'est un masque maravillosa que ma coupe déborde. Bénis ça c'est bon. On finit avec ce chant merveilleux que ma coupe déborde. Alléluia. Fonce la victoire. Nous sommes dans ta maison, mon roi. Nous sommes dans ta présence, mon roi, Seigneur.
Oui, Seigneur Jésus, mon roi, je te prie, mon roi, ton serviteur, mon roi. Qu'il soit ce soir, Seigneur Jésus, mon roi, le chauffard, mon roi. Celui qui va crier ta parole, mon roi, Seigneur. Celui qui va prononcer ta vérité, mon roi. Celui qui va prononcer ton amour, mon roi, pour le peuple, Seigneur Jésus, mon roi. Capacite-le, Seigneur Jésus, mon roi. Au nom de Jésus, je te dis merci, Père éternel. Alléluia, mon roi. Amen. Le peuple dit. Amen. Le peuple dit. Amen. Alléluia. Des noms dessus des gens, alléluia, tu lui as mis son Mirabeau. Hein? La prière, mes frères et sœurs, elle a fait mouvoir le bras de l'Éternel. Vous avez qu'à contempler ce soir ce qu'il y a ici. Il y a personnes qui sont ici, alléluia. Hein? Voilà, la Maria, le frère, le fils, alléluia, sa femme, alléluia. Et voilà, quand moi j'ai mis la liste de prières, mes frères et sœurs, j'ai mis Franchio et sa famille. Alléluia. Franchio et sa famille. Amen. Eh bien, le Seigneur, ce soir, il va venir pour chacun d'entre nous. Alléluia. Moi, je le crois de tout mon cœur, de toute mon âme. Alléluia. Et puis, pour un serviteur, alléluia, lorsqu'on veut porter un message, alléluia, on veut vraiment que le Seigneur nous montre le chemin, que le Seigneur nous montre la voie. On ne veut pas prendre un passage de la parole de Dieu. Pour moi, c'est un souci. Alléluia. Je sais que chaque serviteur, c'est un souci, alléluia. Mais pour chaque prédicateur, alléluia, on a le souci de dire, Seigneur, qu'est-ce qui va convenir ce soir, alléluia, pour chaque enfant, alléluia. Mais ça, c'est Dieu qui opère, alléluia. Et puis, je devais apporter un message, alléluia. Et puis, mon frère, il l'a apporté vendredi dernier, alléluia. J'ai dit, mon frère, je tourne une autre page, mon frère, je choisis un autre message, alléluia. Et puis, j'ai dit, je vais donner un autre message. Et puis, mercredi, alléluia. Il y avait mon frère Ricky qui donne un message, alléluia. Je dis, Seigneur, il faut encore changer un message. Mes frères et sœurs, alléluia, ça s'appelle être unis dans l'esprit. Alléluia. Et je bénis le Seigneur que nous soyons unis dans l'esprit. Alléluia. Et puis alors, je dis, Seigneur, je vais prendre quel message, alléluia. Et puis il me donne un message, alléluia. Puis je le médite, alléluia, tout l'après-midi. Je le reprends, alléluia. Je le relis, c'est le truc que j'avais fait durant mes premières prédications, alléluia. Et puis je dis, Seigneur, tu vois, je ne veux pas reprendre pour reprendre, mais si je dois reprendre ce message, confirme-moi-le. Et puis, ben, je me mets en prière, le Seigneur me confirme, alléluia. Et je tombe sur Gédéon. Est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de Gédéon, alléluia? Donc Gédéon, alléluia, je vous la fais courte, alléluia. C'est l'histoire, alléluia, de Gédéon qui reçoit de Dieu et qui lui demande, alléluia, de détruire les autels de son père, Yoas. Alléluia. Et il reçoit une révélation dans la nuit, alléluia. Et notre Seigneur lui dit, détruis les autels et détruis le poteau qu'il y a en haut de la colline. Alléluia. Alléluia. Et puis, il y a une phrase clé, alléluia, qui détermine mon message. Et c'est à cause, alléluia, à cause de ton entêtement, à cause de mon choix, alléluia. C'était le message, alléluia. Et puis je disais, Seigneur, éclaire-moi. Alors, je veux te expliquer, alléluia, qu'à un moment donné, alléluia, eh bien, le fils Gédéon va détruire les autels, va détruire ce morceau de bois et il lui demande de le couper, de le mettre en sacrifice. Alléluia. Mais il fait ça pendant la nuit. Et lorsque le jour vient, la foule se révèle
et voit qu'il n'y a plus d'autel. Elle voit qu'il n'y a plus le poteau sacré en haut de la colline. Alléluia. Et ils cherchent qui c'est. Et ils disent, on veut la mort de celui qui a fait cela. Alléluia. Et puis ils voient que c'est Gédéon. Et le père, il dit, arrêtez. Il dit, si c'est Dieu, Baal, alléluia, qui a fait cela, alors qu'il s'aide lui-même, qu'il le fasse lui-même. Donc le père, alléluia, qui avait mis cet autel, alléluia, il lui dit au fils, si c'est Baal qui a fait ça, qu'il se défende lui-même, qu'on ne touche pas à mon fils. Et la phrase est dit, à cause de son entêtement, à cause de cela, alléluia, qu'il se défende lui-même. Ça veut dire quoi? À cause de tes actes, à cause de ce que l'on fait, alléluia. Eh bien, des fois, on fait des choses qu'il ne faut pas faire, alléluia. Amen. Et donc, c'était le message, mon frère et ma soeur. Le Seigneur m'a conduit sur le à cause. À cause, c'est la cause à effet. Ça veut dire que lorsque tu fais quelque chose, il va répondre de quelque chose de ton acte. Alléluia. Et si de plus tu ne le présentes pas à Dieu, si aujourd'hui tu n'es pas avec Dieu, tes choix vont avoir des conséquences. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, alléluia, le Seigneur, il veut que tu prennes le chemin, alléluia, celui de la vérité et de la vie. Alléluia. Est-ce que toi tu veux prendre ce chemin ce soir? Celui de la vérité et de la vie, alléluia. Et le chemin, qu'est-ce que c'est, mon frère et ma soeur? C'est un chemin, alléluia, que l'on doit entreprendre. C'est un chemin que l'on doit être conduit, alléluia. Peut-être toi tu as pris un chemin, mais qui c'est qui te conduit, alléluia? Qui c'est qui a pris les rênes dans ce chemin, alléluia? Alléluia. Moi, il a changé ma vie, le Seigneur. J'étais sur le chemin de la perdition, mon frère et ma soeur. Et puis le Seigneur il m'a recueilli, alléluia. Il m'a tendu son bras, il m'a tendu sa main. Ce soir, cette main est tendue pour toi. Tendue pour toi parce que tu as fait un choix. Tu as pris une décision, alléluia. Et peut-être cette décision, elle est vers de ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie, pour ton foyer, alléluia, pour ton salut. Alléluia. Amen. Moi, je crois que le Seigneur, ce soir, il veut te remettre sur le chemin. Moi, je crois que le Seigneur, ce soir, il veut te remettre sur la vie, sur le chemin de la vie, alléluia. Ce soir, peut-être, il est sur un chemin qui s'appelle l'iniquité. Peut-être, il est sur le chemin qui s'appelle la transgression. Peut-être, il est sur le chemin de l'angoisse. Peut-être, il est sur le chemin de la peur. Alléluia. Alléluia. Ce chemin, alléluia, il est ténébreux. Ce chemin, il est noir. Ce chemin, il n'a pas d'issue, j'ai envie de te dire, alléluia. Mais ce soir, Christ, il est l'issue. Il est celui qui conduit à la vie. Le chemin est celui qui conduit à la lumière. Alléluia. Ce soir, veux-tu aller vers la lumière? Ce soir, veux-tu aller vers Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a tellement de chemins. Alléluia. Celui-là de l'adultère, du vice, de la luxure. Alléluia. Il y a tellement de voies que tu as prises. Alléluia. Mais moi, je pense que le Seigneur veut changer le chemin. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut que tu changes de chemin. Le chemin, ce soir, tu peux le changer par à cause. Tu as pris le chemin de l'iniquité, tu mets à cause de l'iniquité. Alléluia. À cause de la peur. À cause de la peur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux plus sortir. À cause du deuil, tu ne fais que pleurer. Alléluia. À cause du deuil, tu es dans les tristesses tout le temps. Alléluia. À cause de l'iniquité, alléluia, tu continues, tu persévères dans le péché. Alléluia. Ce chemin, il est ténébreux, mon frère et ma soeur. Le Seigneur va te mettre à la lumière. Le Seigneur va te mettre au jour, alléluia. J'ai envie de te dire que le mot « à cause » implique ta responsabilité. C'est un acte responsable. Ça veut dire que tu l'as fait par toi-même. C'est toi qui as décidé de le faire. Tu ne peux pas l'inculquer à quelqu'un d'autre, ton choix. Alléluia. Ce soir, le Seigneur, il dit comme cela, il va te dire, il y a le chemin de la vérité et de la vie. Ce soir, il y a un choix à faire, alléluia. Ce soir, il y a un choix à faire. Veux-tu aller vers la vie ou veux-tu aller vers la perdition? Alléluia. Moi, je crois que le Seigneur va t'amener vers la vie, alléluia. Peut-être aujourd'hui, tu pourrais être dans le jour, mon frère et ma soeur, mais tu es dans la nuit.
Tu crois être la lumière, tu es dans les ténèbres. Alléluia. Tu crois être vivant alors que tu es mort. Tu es séparé de Dieu. Il y en a qui pensent être près de Dieu, mais sont séparés de Dieu. Alléluia. Moi, je pensais être près de Dieu. Alléluia. Je fais témoignage de ma vie, alléluia, parce que souvent on parle de soi-même, de ce qu'on a pu vivre, alléluia, et on rend témoignage. J'étais catholique, alléluia, et je faisais toutes les choses qu'il ne fallait pas faire, et je disais j'étais croyant. Alléluia, alléluia, comment on peut être croyant et désobéir à Dieu? Comment on peut être croyant et déshonorer Dieu? Alléluia, non, lorsqu'on rencontre Dieu, alléluia, le cœur il est travaillé. Lorsqu'on rencontre Dieu, notre conscience est travaillée. Amen. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut travailler ton cœur. Ce soir, le Seigneur veut travailler ta conscience. Parce qu'il va te remettre sur le bon chemin. Alléluia. Celui de la vérité et de la vie. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être, tu te poses encore une multitude de questions. Alléluia. Aujourd'hui, combien de personnes se posent des questions? Pourquoi j'ai mérité cela? Des fois, il y a les choses de la vie, on dit, pourquoi j'ai mérité cela? Alléluia. Ou alors, y a-t-il un sens à tout cela? Pourquoi cette vie? Dans quelle direction je vais? Pourquoi cette souffrance? Alléluia. Beaucoup de personnes se posent de multitudes de questions. Alléluia. Et des fois, peut-être tu dis, mais est-ce que je vais arriver au bout de ce chemin? Moi, je voudrais te dire que le chemin de Christ, alléluia, c'est pour aller vers la vie. Le chemin de Christ, c'est pour aller vers l'éternité, alléluia. Veux-tu aller vers l'éternité? Veux-tu aller vers la vie, alléluia? Veux-tu aller vers l'amour, alléluia? Veux-tu aller vers la fidélité, alléluia? Il est tout cela, alléluia. Tout cela, ce que tu ne retrouves pas dans le monde, alléluia. Les gens ne sont pas fidèles. Les gens aujourd'hui sont menteurs, alléluia. Il va falloir ouvrir une porte, mon frère et ma soeur. Cette porte, elle s'appelle la porte de la foi. Veux-tu ouvrir la porte de la foi? Ce soir, veux-tu t'amener, aller à cet endroit qui t'amène à croire, alléluia. Le chemin, la vérité, la vie. Si ce chemin, si tu commences à entreprendre le chemin, cette foi va grandir, alléluia. Cette foi va se faire plus grande, alléluia. Parce qu'il va te montrer sa multitude d'amour qu'il a pour toi. Parce qu'encore une fois, ce soir, le Seigneur, il dit, je t'aime. Alléluia. Toi qui es ici ce soir, alléluia. Le Seigneur te dit, je t'aime, alléluia. Es-tu prêt à ouvrir une porte, alléluia? Sais-tu que lorsque tu es enfant, alléluia, il n'y a aucune porte dans ton cœur, alléluia? Parce que quand tu es enfant, il y a l'innocence, alléluia. Il n'y a pas de porte. Ton cœur, il est tout ouvert. Hein? Quand on demande quelque chose à un enfant, qu'est-ce qu'il fait, un enfant? Il va de suite faire des choses. Il ne se pose pas une multitude de questions. Cela, c'est Dieu qui m'a montré comme cela, alléluia. Comment l'homme, il était têtu. Et lorsqu'on dit quelque chose, la même chose à un homme, il va dire, vas-y, toi, il veut envoyer quelqu'un d'autre. Il n'a pas envie. Moi, j'irai tout à l'heure. Mais un enfant, il va de suite, alléluia. Et peut-être pour toi, c'est maintenant, c'est aller de suite vers Dieu, alléluia. N'attends pas demain. N'attends pas après demain. Ce soir, il y a un appel pour toi, alléluia. Il y a un appel pour venir vers le chemin de la vérité et de la vie. Alléluia. Moi, je crois que ce soir, le Seigneur veut te ramener, alléluia, sur ce chemin. Alléluia. Et je voudrais te dire que lorsque tu grandis, alléluia, il y a le péché. Le péché commence à rentrer, alléluia. Alors ton cœur commence à se cloisonner. Il commence à avoir plusieurs portes qui commencent à s'immiscer dans ton cœur, alléluia. Et alors ton cœur devient enfermé. Ton cœur devient rebelle. Ton cœur devient orgueilleux. Ton cœur devient prétentieux. Alléluia, ton cœur devient colérique. Alléluia, tellement de choses qui font que lorsqu'on grandit, les portes commencent à cloisonner ce cœur, alléluia. Alors que ce cœur, lorsqu'on était enfant, il n'y avait aucune porte, alléluia. Moi, ce soir, je te demande si tu veux ouvrir une porte. Ce soir, c'est la porte de la réconciliation. Ce soir, veux-tu te réconcilier avec le Seigneur? Alléluia, veux-tu ouvrir une porte? Alléluia, c'est le pardon. Veux-tu ouvrir la deuxième porte, alléluia? Parce qu'il va ouvrir, il va falloir ouvrir plein de portes, alléluia. Parce que ton cœur, il est tellement cloisonné. Ton cœur, il y a tellement de barrières autour, alléluia. Qu'il va falloir ouvrir porte après porte, alléluia. Alléluia. Moi, je crois que le Seigneur, ce soir, il va agir comme cela. Amen. Il y a une première porte qui s'appelle donc la réconciliation. La deuxième qui s'appelle le pardon. La deuxième qui s'appelle repentance, alléluia.
La troisième, c'est l'obéissance, la persévérance, la sanctification, alléluia. Je voudrais te dire que si tu es ici, alléluia, c'est que ton cœur ne va pas bien. C'est que ta vie ne va pas bien. Peut-être que ton foyer ne va pas bien, alléluia. À cause parce que il y a le péché dans ton foyer, peut-être qu'il y a le péché dans ton cœur, il y a le péché dans ta vie, alléluia. Alors le Seigneur, il vient devant toi, alléluia. Le Seigneur, il est devant toi, il te rappelle qu'il a donné son Fils unique, alléluia, à la croix, à Golgotha, pour qu'un jour tu puisses demander pardon, alléluia. Toi qui es pécheur, alléluia, le Seigneur, il dit comment ? Venez comme vous êtes, alléluia. Viens comme tu es ce soir. Ce soir, il n'y a personne qui porte un regard négatif sur ta personne. Tu sais pourquoi ? Parce que moi, un jour, j'étais l'un d'entre eux. J'étais l'un d'entre eux. Et je n'aurais pas voulu que quelqu'un porte un regard à part Dieu sur ma vie. Alléluia. Parce que quand on se rend compte qui il est Dieu, lorsqu'on voit son regard sur la présence de Dieu, mes frères et sœurs, vous savez, ça change le cœur, ça change une vie. Dieu n'est pas une personne, alléluia, comme on peut le voir, alléluia. Souvent, j'ai pu en parler avec des frères, souvent on l'image comme une personne comme nous-mêmes, alléluia, mais il est bien plus grand que ça, alléluia. Il est bien plus grand que ça. Il se met à notre image, bien sûr, alléluia, hein, pour qu'on puisse comprendre, voir, alléluia. Mais il est bien plus grand que ça, alléluia. Moi, j'aime ces images où on voit la grandeur de Dieu, où on voit la main de Dieu et voir le monde dans sa main, alléluia. Dieu, il tient le monde dans sa main, alléluia. C'est la grandeur de Dieu, et ce soir, c'est la grandeur de son amour pour toi. Alléluia. Il te rappelle qu'il a donné son Fils unique, toi qui étais pécheur. Toi qui es pécheur, alléluia. À cause de ton ignorance, peut-être tu es ignorant des choses de Dieu. Moi-même, encore une fois, je prétendais connaître le Seigneur, mais je n'avais aucune connaissance de la parole de Dieu. Je ne savais pas, mes frères et sœurs, qu'il y avait le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que combien il y a de personnes aujourd'hui qui pensent connaître Jésus, mais qui ne savent pas que Jésus revient bientôt. Alléluia. Voilà, peut-être qu'il y a encore des personnes qui sont ignorantes dans le monde. Peut-être que tu fais partie des personnes qui ont encore de l'ignorance sur les choses de Dieu. Alléluia. Je voudrais te dire que Dieu vient à toi. Alléluia. Encore une fois ce soir, Dieu vient à toi. À cause de ton ignorance, alléluia. Et il a laissé quelque chose de merveilleux. Il a fait venir le Verbe, alléluia, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on a la parole de Dieu, alléluia. Aujourd'hui, on a la Bible, alléluia. Aujourd'hui, on a la vérité, alléluia. Toi qui peut-être te poses une multitude de questions, alléluia. Pourquoi les souffrances, alléluia. Je peux te dire qu'il y a une réponse à l'intérieur, pour toi. Alléluia. Souvent, toutes les questions, alléluia, je peux dire, Seigneur, il y a toutes les réponses. Quand on lit la parole de Dieu, on voit toutes les questions qu'on peut entendre, alléluia, on voit les réponses à l'intérieur. On a envie de coucher, alléluia, du Seigneur. Ça c'est pour moi. J'étais comme cela, alléluia. Et peut-être toi tu es comme cela. Et il y a la réponse, alléluia. Amen. À cause de tes problèmes, à cause de ta situation, Dieu vient à toi, alléluia. Jésus vient pour se glorifier. Il dit que ton problème, alléluia, il est son marchepied, alléluia. Il veut se glorifier sur ton problème. Il veut se glorifier dans ta vie, alléluia. Moi je crois qu'on a ce Dieu merveilleux, qu'on a ce Dieu tout-puissant, alléluia. Jésus, alléluia, on peut mettre mon frère, alléluia, Abraham. Est-ce que tu peux mettre 5:31, alléluia, c'est acte. Acte 5:31, alléluia. La parole de Dieu dit comme cela. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. 5:31, Abraham, acte. Alléluia. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alléluia. Je voudrais te dire que dans la Bible, alléluia, dans Jean, alléluia, la Samaritaine, il fait notion du salut, alléluia. Il nous fait part qu'il nous vient des Juifs, alléluia. Ce soir, tu es greffé. Ce soir, tu n'es pas abandonné. Ce soir, tu n'es pas orphelin. Ce soir, tu n'es pas étranger, alléluia. Ce soir, il te rappelle, alléluia, qu'il vient pour toi, pour le pardon, pour la repentance, alléluia. Ce soir, tu peux venir comme cela devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Moi, je trouve ça merveilleux que le Seigneur puisse venir comme cela à la rencontre, alléluia.
on croit que Dieu, alléluia, parce que je prêche, alléluia, non, Dieu est bien, bien présent, alléluia. Ma soeur a parlé tout à l'heure, Fakita, alléluia, et c'était une parole que j'avais d'intro, alléluia, et je bénis le Seigneur. Écoute, écoute la parole, alléluia, écoute la parole. À travers la parole, alléluia, le Saint-Esprit est là. Je parlais avec Jenny, il parlait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, mon frère et ma soeur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alléluia, demeure, alléluia. Ce soir, tu peux recevoir du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a laissé le Saint-Esprit pour te convaincre, alléluia, pour que tu prennes connaissance, alléluia, de la vérité et de la vie. Amen, alléluia. Oh, qu'est-ce qu'il y a en toi que aujourd'hui tu es en rébellion, alléluia. Qu'est-ce qu'il y a en toi? C'est la cause, alléluia. Il y a une cause à l'intérieur, alléluia. Il y a une cause à l'intérieur de toi qu'aujourd'hui tu es en rébellion. Il y a une cause en toi aujourd'hui parce que tu fais les choses contraires à Dieu, alléluia. Peut-être aujourd'hui tu es même dans l'incompréhension, mon frère et ma soeur, de la situation que tu vis, de ton contexte, de ta situation. Alléluia. Le Seigneur il est là, il vient pour te parler. Le Seigneur il est là pour te conseiller. Il est là pour te diriger. Il est là pour te mener dans le chemin de la vie. Alléluia. Il vient pour le salut, alléluia. Le Seigneur veut te sauver. Alléluia. Moi je crois que le Seigneur veut te sauver. Il y en a comme de l'incompréhension envers Dieu. Il y en a comme de l'incompréhension envers soi-même. Alléluia. Mais le Seigneur te rappelle, alléluia, que tu as pris des décisions. Et ces décisions, elles incombent quelque chose, alléluia. Le mot « à cause », ça veut dire que ça produit un effet. Le mot « à cause » produit un effet. Ça veut dire que de ce que tu as établi, de ce que tu as dit, de ce que tu as fait, alléluia, il y a quelque chose qui va se faire, alléluia. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, ce qui va se faire, ça s'appelle les bénédictions. Ce qui va se faire, c'est les bienfaits de Dieu. Ce qui va se faire, c'est l'amour de Dieu pour ta personne, pour ta vie, pour ton foyer. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais te parler de deux personnes. J'aimerais te parler de deux personnes dans la parole de Dieu. Alléluia. Ils se trouvent dans les évangiles. Alléluia. Et un dans deux rois. C'est Naaman et le centurion. Alléluia. Vois-tu ? Naaman, alléluia, il était un soldat. Il était un soldat, alléluia. Et c'était un soldat qui était reconnu, il était responsable, alléluia. Et la parole, elle dit qu'il était lépreux. Il était lépreux. Être lépreux aujourd'hui, peut-être pour toi, c'est aujourd'hui tu es pécheur, alléluia. Et puis le Seigneur, alléluia, il envoie quelqu'un, alléluia. Et dans Naaman, alléluia. Et cette petite fille, alléluia, israélite, elle est sa servante, alléluia. Et puis, elle fait part à la femme de Naaman qu'il y a un prophète qui s'appelle Élisée, alléluia, qui peut guérir de la lèpre Naaman. Alléluia. Alléluia. Il y a une cause à effet. Est-ce que toi, tu veux écouter aujourd'hui, alléluia? Là, la petite fille, elle lui dit, il faut aller au Jourdain. Là, ce soir, le Seigneur te dit, veux-tu aller sur le chemin de la vérité de la vie? Alléluia! Le Seigneur te dit, c'est simple. Moi, je te dis, où il faut aller. Est-ce que toi, tu vas aller dans ce chemin? Alléluia! Naaman, alléluia! Il répond favorablement, il descend avec tous ses cavaliers. Alléluia! Et il va voir Élisée, alléluia! Et quand il se présente, alléluia, devant, alléluia, ce n'est pas le prophète qui sort. Ce n'est pas le prophète qui sort, mais c'est un petit serviteur, alléluia, d'Élisée, alléluia. Et puis il lui dit, Naaman, tu es lépreux, alléluia, va dans le Jourdain, et belle fois, sept fois dans le Jourdain, alléluia. Et Naaman part devant le Jourdain. Une fois qu'il est devant le Jourdain, il est avec un soldat à lui, mais il y a encore l'orgueil, alléluia. Il ne veut pas aller dans le Jourdain, alléluia. Et le soldat, il lui dit à côté, il aurait fallu mener des batailles, Naaman. Pour être guéri, tu aurais mené des batailles. Là, il suffit d'obéir, il suffit d'aller sept fois dans le Jourdain et tu seras guéri, alléluia. Amen. Des fois, les choses, elles sont simples, alléluia. Mais on veut rester encore, alléluia, sur notre père.
se mêle sept fois, alléluia, et ressort pur, alléluia. Amen. Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. Alléluia. Alléluia, c'est 2 Rois 5, verset 10. Alléluia. Et tu seras pur. Ce soir, le Seigneur te demande d'aller vers un chemin, vers le chemin de la vérité et de la vie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le sang de Christ qui peut te laver. Alléluia. C'est le sang de Christ qui peut te purifier. Alléluia. Pour Mahomet, c'était le Jourdain. Pour toi, ce soir, c'est le sang de Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et il a mis cette foi, alléluia. Oh, il n'était pas convaincu, hein. Il n'a pas été convaincu, hein. Parce qu'il a été romain, hein. Il est arrivé devant, mais il ne comprenait pas comment moi, un soldat, je vais me mettre. Et pour le Jourdain, on va le rappeler ce que ça veut dire. Jourdain, c'est celui qui descend, alléluia. Il a fallu qu'il s'humilie. Il a fallu qu'il s'humilie. Quand il est arrivé devant le prophète, il est arrivé avec toute son armée. Il est resté sur les chars, il est resté sur son cheval. Alléluia. Ça veut dire qu'il était resté sur cette position. Hein, même qu'il avait le prophète, il y avait encore l'orgueil. Alléluia. Peut-être tu entends la parole, tu restes encore orgueilleux. Alléluia. Le Seigneur te dit non, descends de ton piédestal, descends de ton orgueil. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut changer tout cela. Alléluia. Parce qu'il y a une cause à effet. Des fois, l'orgueil, des fois, ça peut être une cause, une incidence, alléluia, une circonstance de la vie, alléluia. Souvent, je peux le dire que des fois, le caractère qu'on a pu obtenir du vraiment ce monde, alléluia, c'est à cause des situations, alléluia. Et le monde nous forge, alléluia, pour faire mal. Que tandis que Dieu nous forge pour nous faire du bien et que nous fassions du bien. Alléluia. Amen. Et je voudrais te redonner, alléluia, ce passage, le centurion. Alléluia, il déclare ce qu'il est, alléluia. Comme toi, ce soir, tu peux déclarer ce que tu es, alléluia, face à Dieu. Ce soir, tu viens, tu dis, voilà, Seigneur, ce centurion, pardon, alléluia, comment il était, il avait un serviteur qui était malade, alléluia, et vient voir Jésus-Christ, et dit un seul mot, alléluia, et je sais qu'il guérira. Alléluia. De toi, ce soir, tu dis comme cela, peut-être, alléluia. Ce soir, tu viens avec une foi, avec une ferveur, alléluia. Avec un enthousiasme, avec une envie, alléluia. Que les choses changent. Alléluia. Oui. Moi, je crois qu'elles peuvent changer. Oui. Si tu mets foi, si tu mets envie, si tu mets désir, alléluia. Si tu mets persévérance aussi, alléluia. Alléluia. Parce que les choses se font aussi avec persévérance, avec le Seigneur, alléluia. Il y a des personnes, peut-être, qui vont venir au Seigneur, alléluia. Et ça fait peut-être un an, deux ans, trois ans, alléluia. Et puis, vroom, Dieu touche un cœur. Puis il y a des personnes qui vont venir le jour même, boum, Dieu touche un cœur. Des fois, c'est parce qu'il y a besoin d'un travail. Alléluia. Il y a besoin d'entendre plein de choses qu'on a besoin de saisir et de comprendre, alléluia. Parce que Dieu nous éduque, Dieu nous forme, alléluia. Alors, des fois, on dit, mais Seigneur, regarde, lui, il est venu là, il a été touché, moi, ça fait quoi, 4 ans, 5 ans. Peut-être c'est la disposition de ton cœur. Peut-être c'est la disposition dans ta vie, de ton langage. Alléluia. Il y a tellement de choses qui peuvent mettre un frein, alléluia, à l'action de Dieu. Amen. Et peut-être tu viens aujourd'hui comme cela, déterminé, alléluia, en disant, Seigneur, moi je... Voilà, il a présenté son serviteur, peut-être toi c'est ta vie. Seigneur, je te présente ma vie. Viens la guérir. Seigneur, je te présente ma vie, viens la transformer. Alléluia. Alléluia. Moi, je crois que Dieu, alléluia, peut agir comme cela. Parce que certains frères, certaines sœurs ont été changés, alléluia. On voit aujourd'hui les vies qui ont été changées. Alléluia. Ce soir, alléluia, il faut mettre foi. Ce soir, alléluia, il faut s'humilier. Ce soir, veux-tu t'humilier? Naaman, ça veut dire, j'ai oublié de vous le dire, alléluia, agréable. Agréable. C'est comme si le Seigneur
pour t'amener sur le chemin de la vie. Amen. Alléluia. Et bien plus que la vie, c'est l'éternité. Amen. Moi, je crois que ce soir, tu peux avoir cette foi inébranlable. Alléluia. Si toi, tu déclares, alléluia, de tout ton cœur, de toute ton âme, alléluia. Amen. Moi, je sais que le centurion, alléluia, il a décliné toute l'autorité, tout ce qu'il était, alléluia. Ce soir, tu peux venir comme cela. J'aimerais te dire, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Il y a des études, alléluia, il y a plein de passages qui marquent ce que c'est la vérité, alléluia. Et j'étais dans la voiture, alléluia, j'avais mon message, alléluia, et encore, j'étais en train de méditer le message, alléluia. Et la parole de Dieu me dit, c'est tenir pour vrai la parole de Dieu. Qu'est-ce que la vérité? C'est tenir pour vrai la parole de Dieu. Ce soir, tiens pour vrai la parole de Dieu. Qu'il veut te changer, qu'il veut te transformer, qu'il veut du bien pour toi, alléluia. Qu'il veut changer ton cœur, qu'il veut changer ton foyer. Alléluia. Ce soir, le Seigneur, il répond à ta foi. À cause de cette foi. Alléluia. À cause de cette foi. À cause de cette foi, alléluia. Je veux te dire que le Seigneur, lui, il a été haï sans cause. Amen. Il a été haï sans cause. Il a pris ta cause. Ce soir, il prend ta cause. C'est-à-dire que ton chemin, alléluia. Il a pris le péché. Il s'est fait malédiction pour être bénédiction, alléluia, pour toi. À cause, alléluia. Lui, il a été sans cause, alléluia. Mais il a pris ta cause. Il a pris à charger ton péché. Il a pris à charger tes iniquités. Alléluia. Pour toi, parce qu'il t'aime. Pour toi, parce qu'il veut te mettre sur le chemin de la vérité et de la vie. Alléluia. Ce soir, tiens pour vrai la vérité. Sois, tiens pour vrai la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais prier. Amen. Moi, j'aimerais prier ce soir que pour la foi. Ce soir, il faut croire qu'on a ce Dieu merveilleux. On a ce Dieu qui peut venir dans une vie et chambouler la vie. Alléluia. Moi, j'étais dans une vie de routine, alléluia. L'autre fois, il avait fait part, l'ancien aussi, alléluia, on peut venir routinier, on peut devenir routinier, qu'on soit chrétien ou dans le monde, alléluia. Ce soir, sors de la routine, sors du monde, alléluia. Amen. Viens à la lumière, viens à la vie, viens à la vérité, alléluia. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, je voudrais prier, Seigneur, pour les cœurs qui sont ici, Seigneur. Tu vois, Seigneur Jésus, combien ta parole elle est belle, Seigneur. Combien, Seigneur Jésus, tu veux sauver l'humanité tout entière, Seigneur. Tu vois que chaque réunion qui se font, Seigneur, dans le monde entier, Seigneur, que ce soit, Seigneur Jésus, les évangélisations, que ce soit, Seigneur Jésus, toutes les œuvres pour la persévérance, Seigneur Jésus, pour l'exhortation, Seigneur. Tu vois, Seigneur Jésus, que tu viens pour ton peuple, mon roi, Seigneur, que tu l'aimes, Seigneur Jésus. Tu n'as jamais abandonné, Seigneur, et que tu continues à témoigner de ton amour, Seigneur, en appelant, en criant, en étendant ton bras, Seigneur, en étendant ta parole, Seigneur, afin qu'elle soit reçue, Seigneur Jésus, dans un cœur, Seigneur. Qu'il y ait des cœurs qui reçoivent ta parole, Seigneur, que ce soir ils reçoivent la vérité, la vie, pour aller dans le chemin, Seigneur, de celui de l'amour, de celui de la vérité, Seigneur, celui de l'abondance. Oui, Seigneur mon roi, je te dis merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen.